Bonjour amis, bienvenue à notre rubrique Communion au quotidien. Comme entendu, nous devançons l'aurore. Une grosse salutation pour chaque monde et pour vous-même personnellement qui est déjà présent matin pour nous devancer l'aurore à l'heure de communion au quotidien bien sûr. Merci pour l'intérêt que nous manifestons pour rubrique ça. Nous nous rappelons aussitôt ce passage de base trouvé dans le livre des psaumes, notamment le chapitre 119, versets 145 à 148, version parole de vie. Il est dit « Seigneur, je t'appelle de tout mon cœur, réponds-moi, je ferai ce que tu veux. Je t'appelle, sauve-moi, et j'obéirai à tes ordres. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. » J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour réfléchir à tes enseignements. Amis, ensemble au réveil. Ensemble, réveillons-nous. Appelons le Seigneur pour savoir ce qu'il dit, pour connaître cette directive pour la nouvelle journée. Eh bien, amis, avant l'aurore, réveillons-nous pour réfléchir à sa parole. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a ni réussite, ni succès, ni croissance. Eh bien, Zamim, en nous engager ensemble, aventure ça avec bon Dieu chaque jour. Entre la routine et l'aventure, optons pour l'aventure. Voilà, amis, pour communion au quotidien, nous devançons l'aurore. Nous poursuivons notre aventure à travers les épîtres de Pierre. Avant, nous avons déjà regardé la motivation de grands champions. Pour réaliser que notre identité, notre espérance chrétienne, notre salut total en Jésus-Christ, notre héritage constitue une source inépuisable de motivation extrinsèque, intrinsèque pour nous en tant que grands champions. Moun ki professionnel yo comprend ça très bien. Yo travaille pour un salaire et yo connaît élément qui plus important dans contrat de travail yo, c'est salaire là. Et bien amis, motivation nous joine source li dans héritage k'ap tann nous, dans espérance glorieuse ça. Et m'ap di ça amis, les anges du ciel, les prophètes ne pouvaient même pas comprendre cette relation qui a été planifiée entre le Seigneur et les croyants en Jésus-Christ. C'est un privilège extraordinaire. Amis, ce matin, nous allons aussi regarder le prix à payer pour être un grand champion. Autrement dit, quelles sont les responsabilités d'un grand champion? Eh bien, le sujet de ce matin, c'est la mentalité d'un grand champion. Voilà, pour matin, c'est poil extraordinaire. Trouvez Bibou, nous allons lire ensemble 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 13 et nous capables même arriver dans le chapitre 2, ok, un petit peu pour que nous capables comprendre qui ça bon Dieu vient pour le dire nous matin. Ma lire pour vous 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 13. Il est dit, encore dans la version parole de vie, c'est pourquoi soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous avez autrefois, avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint, alors vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints parce que moi je suis saint ». Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance, pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache.
Dieu l'a choisi avant la création du monde. Et pour votre bien, il l'a fait. Il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Au verset 22, il est dit, « En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait connaître de nouveau, vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent, « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. » Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Voilà, amis, pour matin, hein? Nous allons regarder ensemble la mentalité d'un grand champion. La mentalité d'un grand champion. Voilà. Zanim, comment vous y est? Comment vous y est? Et comment vous trouvez série ça et les épreuves d'un grand champion? Eh bien, nous avons aimé que vous parlez avec nous en commentaire parce que nous avons aimé un feedback de vous. Zanim, je dis à nous regarder mentalité d'un grand champion. Lorsque je parle de mentalité d'un grand champion, ou capable déjà imaginer que mon prends plusieurs exemples dans le football, moi pas capable empêcher de réfléchir à l'équipe Real Madrid là. Vraiment, Real Madrid qui vit avec une mentalité d'histoire, une mentalité de gagnant. On appelle ça la culture de la gagne. Mais par contre, si vous observez, quelle que soit l'imitation équipe Real Madrid là, l'y compenser avec mentalité de champion. Mais on comprend, ami, à quelle hauteur mettons-nous la barre pour être un grand champion? Sur le plan de la foi, la mentalité d'un grand champion relève de notre sanctification. Nous devons comprendre ça bien. Mentalité, nous, comme petit bon Dieu, l'y relève de notre sanctification. Et passage que nous sommes gardés là, c'est ça que l'y traite dans l'aspect pratique, notre sanctification. Il y a un professeur qui est le docteur Stephen Kim, un professeur du Nouveau Testament. Il enseigne les épîtres de Pierre, notamment sur la sanctification. Il illustre passage ça en 5 étapes par 5 vocables en grec, qui certainement traduit en français, que je t'ai aimé partager avec vous matin. Rappelez-vous que mentalité d'un grand champion sur le plan de la foi, sur le plan de la Bible, c'est la sanctification. D'abord, mais qui ça, professeur, ouais, et vraiment que nous apprendre, nous comprendre avec lui. Il dit d'abord, premier mot grec que nous devons retenir de étape sanctification, d'abord c'est elpisate. Elpisate, ça veut dire fixer notre espérance. Zamim, comme petit bon Dieu, comme champion que nous y est, nous devons garder les yeux sur notre espérance. Et il dit, si vous regardez verset 13 là, dans verset 13 là, il dit, c'est pourquoi soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir. Amis, ouais, un grand champion, objectif, c'est toujours trophée. Alors, je me souviens, président français, lorsque l'a encouragé et sélection française là pour aller dans le mondial, il a toujours dit ça en réunion, il dit que une compétition est réussie quand elle est gagnée. OK? C'est-à-dire l'a essayé insuffler dans yo la culture de la gagne pour dire que écoutez, en compétition ou réussir c'est là où gagne. Et bien amis, mentalité d'un grand champion, li axé d'abord sur le trophée. Sur le trophée. C'est-à-dire que nous maintenons le cap sur l'objectif, le trophée. Par contre, tu vois comment Real Madrid
développer culture ça. Et mais comme croyants aussi, nous devons garder nos yeux fixés sur notre espérance. La parole de Dieu nous dit, notre espérance nous motive. Donc, Zamim, yon grand champion mettait cap là sous objectif là. Yon grand champion mettait cap là sous objectif là. Zamim, moi ensemble avec vous, si nous t'aimer ajouter préfixe grand, adjectif grand à champion que nous déjà y est dans Jésus-Christ, parce que nous sommes petits bon Dieu, et mes amis, nous devons mettre en avant notre sanctification. D'abord, notre espérance chrétienne. Gardez objectif là. Qui ça, bon Dieu, dit-nous? Il dit nous que l'équité héritage pour nous. Il dit nous que c'est une espérance qui est glorieuse. Et mes amis, nous fixons les yeux nous sur objectif là. Ça, c'est la première étape dans la mentalité d'un grand champion. Deuxième étape là, professeur Kim illustré par mot grec genetete. Ça veut dire soyez saints. C'est ça nous sommes lire dans la parole bon Dieu là. Zamim, c'est la volonté de Dieu que nous soyons saints. La Bible dit en Éphésiens, Jésus-Christ dit li bay nous sainteté et par une seule offrande li bay nous perfection. Mais on connaît Zamim, bon Dieu voulait que nous vivions sainteté au quotidien. Nous devons vivre avec mon Dieu au quotidien. Nous devons vivre sanctification nous au quotidien. Nous devons vivre sanctification nous chaque jour dans la vie nous. Vous comprenez ça, amis? Et quel monde qui comprend que l'air enseigne sous sanctification, c'est monde qui a recevoir enseignement qui besoin sanctification. Et vous faites quoi, mes amis? En tant qu'enseignant aussi, exigence est beaucoup plus difficile pour vous. C'est-à-dire vous-même en premier. D'ailleurs, ou responsable sera enseigné à tout. Et mes amis, nous devons marcher en nouveauté de vie. Et la Bible dit, comment pour nous faire ça? Sous le passage là, bien, il dit que non seulement c'est pour saints, mais il dit, attention au conformisme, attention aux convoitises. Cela relève de l'ignorance. Il y a des gens qui croient que comme petit bon Dieu, je suis toujours dehors pour chercher. Vous avez cherché qui ça? Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il y a un exemple qui illustre ça bien. Suivez bien. Je prends un exemple sur l'équipe Real Madrid là encore. Observez pour voir qui joueur qui quitte Real Madrid qui a réussi dans l'autre équipe. Jamais. Je cherche un exemple pour moi qui est un joueur qui a performé bien, qui quitte Real Madrid et qui allait en l'autre côté, qui performe, qui réussit. Zamim, pas jamais on qui remporte le ballon d'or. Même si tu as remporté le ballon d'or pendant qu'il était dans l'équipe Real Madrid, là, depuis qu'il quitte, il n'a pas gagné ça encore. Donc, les joueurs qui laissent Real Madrid ont très peu de chances de réussite. Il n'y a pas de joueur de Real Madrid avec le ballon d'or en dehors de la Maison Blanche. Cela est aussi vrai pour la foi chrétienne. Ou pas capable, si vous regardez ailleurs, si vous mettez pied au dehors, ou gen problème, mes amis. Ou gen problème. Est-ce que vous m'en, ou gen problème, ou pas capable d'être un grand champion? Ou pas capable, non? Ou pas capable? Et mes amis, c'est pour nous. Non seulement nous fixer les yeux sur espérance là, mais tout n'a pas marché en nouveauté de vie. Nous c'est petit bon Dieu, nous vivons comme petit bon Dieu. Nous garder identité nous. Nous pas comme si nous gagnons témoignage, nous gagnons témoignage qui saint. Nous gagnons témoignage les monde à garder nous, yo ouais nous comme petit bon Dieu. Un troisième mot professeur a attiré attention nous sur lien en grec, c'est anastraphète. N'a poursuivre. Qui traduit par se conduire. Zamim, comme petit bon Dieu, nous sommes des représentants du ciel là où nous sommes. Dans verset 17, là, il dit que nous là pour un titan. Même d'arrêter de dire, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, bon Dieu fait nous des faveurs, mais il n'y a pas fait favoritisme. Pour accéder au sommet avec Dieu, il y a une ligne de conduite à avoir. Zami, pas oublier ça. Ou c'est petit bon Dieu, certes. Mais il y a un niveau pour accéder à yo avec bon Dieu. Il y a une ligne de conduite faut gagner. Pour percer, pas gagner un hasard dans ça, non? Pas gagner un hasard dans ça.
Et l'âme cité Raoul Wafo, pas de hasard dans ça. Pour percer, faut qu'on travaille. Pour percer, faut qu'on œuvre. Pour percer, faut qu'on rete dans pied, bon Dieu. Pour percer, faut qu'on toujours en action. Pas de percer dans paresse. Pas de percer dans paresse. Gon ligne de conduite pour suivre. Gardons l'exemple que Jésus-Christ, que bon Dieu baille nous. Non. 1 Pierre 1er verset 18 là. Où est-ce qu'il dit? Il dit, le prix qui a été payé pour nous racheter, c'est le sang de Jésus-Christ. Bon, amis, imaginez, Jésus-Christ paye gros prix ça pour racheter. Et pour penser le cas, regardez, m'la gona, j'en fais ça, vous voulez? Non! C'est pour ça qu'il dit, nous, regardez, est-ce qu'on voulait suivre moi? Chargez-vous de croire. Chargez-vous de croire. Pas de favoritisme pour disciple Jésus-Christ. Il faut travailler, il faut œuvrer, il faut apprendre, il faut exercer, il faut réinvestir. C'est pas sous couleur, nous, c'est pas sous appartenance, nous, non, que bon Dieu a fait nous un grand champion. C'est sous consécration, nous. Ah, Zanim, on va parler avant sérieusement. C'est sous consécration, nous. Donc, Zanim, prenons nos responsabilités. Devançons l'aurore. Lisons la parole de Dieu. Prions. Adorons, vivons dans la sainteté comme enfants de Dieu. Bon Dieu, bah, il faveur, mais pas de favoritisme. Nous avons écrit en commentaire, pas de favoritisme dans bon Dieu. Il n'y a pas de favoritisme dans, en Dieu. Bon Dieu, bah, il faveur, mais il n'y a pas de favoritisme. C'est très important. Il y a un quatrième mot que le professeur a attiré l'attention nous souligne encore, c'est agapé saté. Aimez-vous. Zanmim comme petit bon Dieu, ou c'est un champion. Mais si vous voulez un grand champion, tendez bien, oui, il faut regarder aux autres. Dans verset 22, il dit que non, il faut que nous remenions l'autre. Et Mabdou Zanmim, le meilleur culte d'adoration, c'est de nous aimer les uns les autres. Dieu nous rachète pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que Jésus-Christ nous avait dit. Donc, Zanmim, la vie chrétienne est pratique. C'est la loi de l'amour. Ah, on a des monde qui sans entrailles, qui sans miséricorde et qui pas de problème. Ils disent, oui, la coupe était tout, c'est vrai. C'est vrai. Et ça qu'on fait mal des fois pour garder, c'est parmi les croyants que ça arrivait. Alors, il y a un voisin qui dit que les consacres, les gens, c'est comme il a dit, ils sont malfaiteurs et puis ils l'église. Un malfaiteur qui a l'église. Un malfaiteur qui au timon des affaires à l'église. Mais c'est grave. C'est grave. Il dit non, écoutez, il faut regarder aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Dieu nous a rachetés, c'est pour pouvoir nous aimer les uns les autres. Il n'y a pas à sortir de là. Jean écrit Épître Lio, il dit, attention, il y a une loi, c'est la loi de l'amour. Et dans le foyer de communion, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. Et puis, cinquième et dernier terme que le professeur a attiré attention nous sur lui, que m'a partagé avec vous, il dit, c'est Épipatéo. Épipatéo, c'est solliciter le lait spirituel. Zanmim, nous devons grandir dans notre sanctification. Comme petit bon Dieu, nous pas qu'à suspendre grandir. Yon grand champion pas capable de suspendre grandir. Nous sommes toujours en phase de croissance. Un grand champion est toujours en phase de croissance. Zanmim, le cas de Ronaldinho, le cas de Neymar reste pathétique. Regardez comment un joueur ça paraît. Ronaldinho paraît comme le plus grand joueur du monde. Cependant, il n'a pas fait long feu en raison de manque de travail, en raison d'indiscipline, en raison de manque d'hygiène de vie. Est-ce qu'on comprend ça? Neymar vini technique, il fait tout le monde apprécier pour dire, mais ça c'est un meilleur. Et pourtant, il saute, il s'est détruit lui-même. Parce que hygiène de vie n'est pas bon. Et contrairement à Messi, gardez tout le temps qu'il fait dans le haut niveau A. Elle dit, même si mon a parlé de talent moins, même pas j'en passe un seul jour pour m'entraîner.
Gardez Ronaldo qui tout le temps fait dans haut niveau. A, et il dit clairement, anecdote là dit que le monsieur ça l'abdomen pendant 2 heures, mais il peut l'entraîner pendant 1 heure. Tandis ça, en mime, c'est pas un jouet. Si vous voulez un grand champion, faut que vous toujours travaillez, faut que vous toujours entraînez. Et mais vous même tout comme petit bon Dieu, faut que vous toujours en phase de croissance. Et c'est pourquoi l'une des motos du foyer de communion, c'est de grandir ensemble. Grandissons ensemble. Parce que faut qu'on toujours grandir. Il y a des gens qui croient que vous arrivez côté, vous arrivez à, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Pas de ça dans bon Dieu. Pas de ça dans bon Dieu, Zamim. Et mais c'est ça, oui, Zamim. Donc, en conclusion, qui ça nous a appris dans le passage, ça je vous dis, premièrement, c'est gardons le cap sur l'objectif. Gardons le cap sur le trophée. Gardons le cap sur la récompense. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit, Jésus-Christ a vini et l'a récompensé nous chaque selon œuvre nous. Et deuxième élément pour retenir, c'est le fait que la Bible dit, c'est pour nous capables, c'est pour nous saints. C'est-à-dire témoignage nous. Il n'y a pas mieux ailleurs. Suspendre, garder dehors. Attention au conformisme. Attention aux convoitises. Ou un bon exemple en bien, on joueur qui quitte Real Madrid, il n'a pas réussi dans l'autre équipe. Et mais c'est même gens, si vous quittez bon Dieu, si vous quittez Kaye bon Dieu, vous avez des problèmes, amis. Si vous avez des problèmes, ou pas réussi. Pas de favoritisme en Dieu. Le prix à payer est aussi fort. Si Jésus-Christ, il mourit en place, nous pour être capable de racheter nous, et bien il demande nous pour nous charger nous de notre croix. Nous ne devons pas négliger Dieu. Nous devons regarder aussi aux autres. Et toujours en phase de croissance. Grandissons ensemble. Voilà, amis, aujourd'hui pour communion au quotidien, c'est la mentalité d'un grand champion. Il est toujours les yeux fixés sur l'objectif. Il est toujours à travail parce que il connaît que c'est un bon Dieu pour le rester. Il connaît que pas de favoritisme. Il connaît pour le charger de quoi. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices qu'il faut consentir. Des fois, il faut qu'on accepte pour vivre dans la privation. Des fois, il faut qu'on accepte pour qu'on souffrir, pour qu'on prenne position pour Jésus-Christ. Ou pas qu'à négliger bon Dieu, faut qu'on remette mes mounes, faut qu'on remette mes frères qui frère avec ce pareil ou et faut qu'on toujours en phase de croissance. Voilà, amis, pour aujourd'hui, la mentalité d'un grand champion. Nous prier ensemble, amis. Nous parlons devant trône. Nous allons dire, bon Dieu, merci pour l'enseignement parole. Nous allons dire merci parce qu'il fait de nous un champion. Et merci parce qu'il mettait tout dispositif dans nous pour que nous soyons un grand champion. Et bien, nous allons prier pour foi et communion. Nous allons prier pour mon Dieu continuer à étendre limite nous, étendre influence nous. Et nous allons prier pour échéance que nous gagnons dans moi ça pour que mon Dieu voie ressources. Pour que nous soyons capables de payer ça nous gagne pour nous payer pendant la période ça. Nous allons prier pour que bon Dieu fasse réveil là capable éclater dans le temps de la communion pour nous grandir tout bon vrai. Nous allons prier pour partenaires de ministère nous yo pour que bon Dieu capable mettre dans main yo pour yo capable contribuer dans le ministère ça. Nous allons prier pour jardin PAM pour que bon Dieu fasse de très bonnes affaires. Et laisse ça pour vous capable de remercier bon Dieu. Nous allons prier pour Mili, pour que bon Dieu continue le processus de guérison. Nous allons prier pour notre frère Joadson, pour que bon Dieu capable de couvrir, protéger dans la zone côté lié. C'est un serviteur, bon Dieu. On nous continue de prier pour lui. Nous allons prier pour la famille César, notre frère qui a sollicité nos prières pour sa famille. En Haïti, pour que bon Dieu capable de protéger eux. Nous allons prier pour la famille prédestin, pour bon Dieu bayo guérison, pour bon Dieu bayo élévation, pour bon Dieu faire route devant eux. Nous allons prier pour la famille Griffon, pour nous demander bon Dieu grâce avec élévation, pour que bon Dieu fasse route là devant eux. Notamment, c'était l'anniversaire Nancy pendant la semaine ça, et mais que bon Dieu continue de bailler une grâce ajoutée. Nous allons prier pour la famille Joseph. Pour la famille Joseph, nous allons prier pour la famille Sœur Viviani, nous allons prier
pour famille Frère Judson, nous pourrons prier pour famille Milfort, nous pourrons prier pour famille Feuillet, nous pourrons prier pour famille Despradine, notamment Sheila, Marily avec Petit-Li. Aussi pour Jean-Némi Forelus, pour l'anniversaire de sa femme ou de son mariage. Mais nous avons prié pour famille Sarah, nous avons prié pour famille Étienne, Bernardin, Roland avec Petit-Li. Nous pourrons prier pour musicien Nouyo, pour famille Joachim. Nous pourrons prier pour famille Augustin. Nous pourrons prier, les amis, en allant devant bon Dieu, Konyala. Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi pour compter tes bienfaits. Pour te dire merci pour ta parole qui nous enseigne ce matin de garder le cap sur l'objectif. Ah oui, pour nous garder trop faire. Parce qu'on a un objectif que vous voulez réaliser avec nous lorsque vous sauvez nous en Jésus-Christ. Pour faire nous un grand champion. Ou quitter récompense pour nous. Ou quitter héritage pour nous. Papa, inspirez-nous Seigneur. Inspirez-nous mentalité de grand champion. Merci parce que c'est vous-même qui sanctifiez nous en Jésus-Christ. Mais vous demandez pour nous vivre comme sanctifiés. Pour nous vivre dans la sainteté. Oh, merci Père. Nous connaissons avec force nous pas privés. Mais merci pour la provision qu'on fait à travers Saint-Esprit. Pour être capable de reproduire la vie Jésus dans la vie nous. Merci parce que papa, ou apprendre nous tout. Comme petit tout, pas de favoritisme. En ce sens que nous devons accepter aussi de payer le prix si nous voulons arriver au sommet. Nous devons marcher. Oh, merci. Et papa, inspirez-nous pour que, en temps utile, en temps et lieu, nous sommes capables de consentir à sacrifice que vous voulez, à sacrifice que vous inspirez. Oui, papa, pour nous capables de glorifier le nom de Jésus et pour nous capables de grandir. Merci, papa, parce que vous dites nous que nous devons remettre nous l'un l'autre parce que le culte d'adoration que nous t'offrons, il vient de l'amour que nous partageons l'un pour l'autre. Merci parce que vous révélez nous parole. Et vous dites nous tout, papa, faut que nous continuions à grandir parce que comme petit bon Dieu, nous ne sommes pas capables de suspendre grandir. C'est pourquoi nous devons toujours désirer le lait spirituel. Merci pour parole forte, ça que vous enseignez nous matin. Oh mon Père, que parole ça yo fait chemin dans la vie nous, fait chemin dans la vie chaque connecté nous yo, fait chemin dans la vie chaque membre foyer communion hein, et chaque assistant régulier nous yo, et qu'on ça papa, yo capable développer la culture de la gagne, la culture d'un grand champion. Père, nous voulons prier pour Milly. Merci pour guérison que a bailli à jeune fille ça au nom de Jésus. Nous voulons prier aussi pour nos partenaires de ministère. Papa, fais-o grâce, va-o percer, va-o élévation pour être capable de continuer à contribuer dans l'œuvre. Nous voulons prier aussi pour notre frère Joadson. Papa, couvrir-lui, bailler protection ou au nom de Jésus. Nous prions aussi pour la famille Prédestin. Oh bon Père, bailler guérison à famille ça. Émotionnelle. Mental, spirituel, physique, papa, financière, répondre à besoin, yo, papa. Ba yo élévation au nom de Jésus. Nous prions pour la famille Griffon, notamment pour notre sœur Nancy. C'était son anniversaire. Nous la bénissons au nom de Jésus et nous déclarons une grâce ajoutée sur notre sœur. Que élévation. Que porte capable l'ouvrir devant lui, au nom de Jésus. Nous voulons prier pour la famille Joseph. Nous pensons à notre sœur Viviani, à notre frère Judson et leurs familles respectives. La famille Milfort est entre tes mains, ô bon Père. La famille Feuillet, la famille Despradine, Sheila, son mari, ses enfants. Ô Père, continue d'opérer en notre faveur. Nous pensons à notre frère Jean-Némi Forelus. Bénis famille, ça, papa. Passez avec famille, ça, papa. Passez avec eux au nom de Jésus. Nous prions pour madame, li. Nous prions pour petite Linidan. Nous voulons aussi prier pour la famille Étienne, notre frère Bernardin, notre soeur Roland, leurs enfants, Seigneur. Accordez grâce, bâille faveur
au nom de Jésus. Nos musiciens sont entre tes mains. Nos professeurs de musique sont entre tes mains. Foyer art est entre tes mains. La famille Joachim, la famille Augustin. Ô Père, merci d'interpréter même nos soupirs. Merci d'interpréter même nos oublis devant ton trône. Et que toute la grâce te revienne. Au nom de Jésus, Père, que tous nos connectés, Seigneur, deviennent de grands champions pour ton royaume. De grands champions dans la foi. De grands champions dans ton service. Voilà la prière que nous t'adressons maintenant. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, à qui reviennent toute gloire, tout honneur, toute puissance. Amen. Amen et Amen. Voilà, amis, communion au quotidien, nous devançons l'aurore. Et ce matin, nous avons vu le sujet, la mentalité d'un grand champion. À tous nos connectés, nous déclarons bénédiction du ciel. Allez, les grands champions, excellente journée avec Dieu.